Associer des parlementaires aux travaux de l'OEC, c'est vital, bien entendu. C'est la meilleure façon de restituer dans les différents pays les arguments que l'OMC n'a pas toujours l'occasion de communiquer. I cannot imagine of anything more important than bringing some legitimacy, democratic legitimacy and clarity to WTO negotiations, but not just. There are many international organizations that need that parliamentary participation. If we think that major decisions affecting our lives, economically and otherwise, can be made without the people agreeing in the end of the day and accepting and participating and acting and making it happen, and if we think that the people can ever participate fully unless their democratically elected representatives, the members of parliament, can be involved in the process, then we're thinking wrong. Ces conférences sont importantes à la fois pour sensibiliser les parlementaires. N'oubliez pas que les parlementaires sont chargés de veiller à une bonne législation qui permette le commerce, au commerce de se dérouler dans de bonnes conditions. Et n'oubliez pas non plus que les parlementaires sont ceux qui contrôlent l'action du gouvernement. Et donc, dans une certaine mesure, ces rencontres sont importantes. The best NGO or the best non-governmental organization representative is the Member of Parliament, because it's chosen by the people and is speaking on behalf of the people. La Organización Mundial de Comercio debería de tener más en cuenta a los parlamentarios porque somos parte integrante de la aprobación de los acuerdos que acá se votan los poderes ejecutivos. Después lo tenemos que aprobar nosotros en nuestros países. Y las rondas de parlamentarios ayuda a comprender mucho más los problemas para que en los países no generen cuestionamientos luego los acuerdos que se establecen aquí. Es una labor informativa muy importante que nosotros podamos entendernos si discutimos los parlamentarios que queremos más libertad de comercio con aquellos que en la otra parte del mundo no la quieren tanto, para saber cómo es la otra cara de la versión de los problemas económicos y comerciales del mundo. I am more than happy to see increasing integration of the WTO parliaments with the WTO process. And I think that what we see today, now, the first time that a session of the WTO parliaments takes place in the WTO headquarters themselves, is a testament to how the Secretary General of the WTO, Pascal Lamy, is taking this interaction seriously. In my view, we have a wonderful beginning of what I hope will be a wonderful friendship. L'OMC, je le rappelle quand même, c'est une organisation qui, pour la première fois, essaye de réglementer, de réguler, d'humaniser, de domestiquer le commerce mondial. Et donc, si l'OMC aujourd'hui n'existait plus, ce serait un drame, et essentiellement pour les pays les plus pauvres. Si vous avez des parlementaires qui participent à tous ces travaux, ils peuvent relayer cette réalité-là et faire de l'OMC, donner à l'OMC, dans le fond, une image qu'elle doit avoir, qui est celle d'aider justement un ordre mondial plus équilibré et plus juste. Les pays en développement ont tout à gagner à être beaucoup plus présents dans le commerce international. Et je pense que l'exemple des pays aujourd'hui dits émergents prouve bien que c'est par le commerce que leur développement a été accéléré. Mais il est vrai que la participation pour les pays les plus pauvres demeure un problème sérieux, un problème important, et que tout doit être fait, tant par l'OMC que par les gouvernants de ces pays, pour avoir une participation beaucoup plus accrue au commerce international. It's the Doha Development Agenda. So it's all about developing countries. And what I would like to see is even more participation. It will be, I believe, to the greatest advantage of developing countries today if the Doha round is concluded. And I would like them, and everyone else for that matter, to be putting pressure on those developed countries that may be willing also to conclude the round, but be having some second thoughts, to forget about those and get it done with.
The Doha round, if concluded, will be to the primary benefit of developing countries. I want them even more active in the process. It seems that the political will and the political imperative and political impetus to support a successful conclusion to the Doha round is at stake, and I think Parliament could help explaining to them the issues and explaining to them the trade-offs and the single undertaking may prove to be helpful in the coming year or so. Well, there is a meeting ground between European parliamentarians, Asian, African parliamentarians through this dialogue, which will facilitate the ratification of the various agreements that will be reached at WTO, particularly the Doha round of negotiations. Les parlementaires doivent pousser les gouvernements à conclure le cycle. Ce sont les gouvernements qui sont en charge des négociations. Je pense aussi que ces dernières années, la conférence parlementaire sur l'OMC a suffisamment mis l'accent sur la sensibilisation des parlementaires et ceci leur a permis de toucher du doigt l'importance du cycle de Doha et l'urgence à le conclure dans de bonnes conditions, avec des résultats équilibrés, des résultats justes pour permettre effectivement que les pays les moins avancés puissent bénéficier, réaliser pleinement leur potentiel commercial à l'exportation, s'insérer plus largement dans le système multilatéral de commerce. Parliamentarians have to do much more than simply talk sometimes, and certainly among themselves. That's wonderful, but our role is not exhausted here. We have to approve any final agreement in our national parliaments or the European Parliament. We have to implement legislation to make sure that whatever final agreement actually happens in practice. Most important, in my view, we have to try to understand, educate, build difficult consensuses, and lead at a time where the economic crisis around the world tends to force us to follow fear. Everyone is afraid. And when you're afraid, you tend to just shut yourself in your own little shell, your own country, to think that that is the best way to deal with the problems. When in fact, international trade, if managed correctly, as Doha has tried to do, could bring about an explosion of the development potential of the world, not just the developed world, but everyone else.